Le repos du guerrier. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Yumika pendant 3 jours pour dormir comme ça? C'est 12 km de marche à pied qui le rendent comme ça? Hein, Benjamin, faut se réveiller. Ah, ben c'est Marilyn qui va bouffer depuis le temps qu'elle l'attendait, ça là. Je dis, elle va aller un peu plus vite pour gagner Patrick, mais non! Non, non, on a fait une course, on s'est battu jusqu'à la fin. Non, c'est bien. Hein? Oui, ça s'est bien passé. J'en ai chié les 30 premières minutes, j'arrivais pas à me mettre en route. J'étais vraiment fatiguée, quoi, ça partait vite. Ouais, ça a été. Là où je suis super contente, c'est que, tu vois, habituellement, quand je fais espelette, je peux rien faire avec mes jambes, là. Tout va bien. L'entraînement est bon. Par contre, je peux plus rien faire avec mes jambes. Bon, et vous, alors, Catherine? Alors, comment j'ai trouvé? La montée est super, la descente, j'ai détesté. J'ai souffert de la descente. J'ai mal au ligament, j'ai mal au genou. Ben ça, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire de la PPG. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire des entraînements de trail. Eh bien, je crois que je vais m'y remettre. La belle? Mais nous, on avait tapé sur un 3 heures et on a fait un peu plus de 2 heures. Alors, ça va, on est content. Super. Ah, je savais que vous alliez gazer. Martine, comment ça s'est passé pour toi? Je voulais faire 3 heures. À l'arrivée, où je te maudis, où je te bénis. Et les chaussures? Tip top. Tip top. Alors, pas d'ampoule? En descente, heureusement. Ah, ça tapait un peu? Ou bien les serrer? Attends. Marie-Françoise, comment ça s'est passé pour toi? Bah, écoute, très sympa, très dur la montée. J'ai trouvé très dur. Mais bon, pour l'année prochaine, ça sera peut-être plus facile avec un entraînement. Très sympa, bonne ambiance. Super. C'est bien, on s'est tous croisés. Christine. Ah, super, on a vraiment aimé. C'était pareil, on s'était dit 3 heures et on a mis 2h11. Donc vraiment super. Tip top. On a bien aimé. Ouais. Combien tu as mis? Nous, de la star du jour qui a bouffé la coach. J'attends vocation. Alors depuis combien de temps tu voulais me bouffer? Ah, ça faisait longtemps, mais je commençais à perdre espoir parce que tu t'entraînes trop et moi, voilà. Et c'est arrivé malgré... J'en avais marre de voir ton short et ton t-shirt vert Adidas devant moi. J'ai dit ça suffit. Et voilà. Bon, moi je savais que c'était un parcours pour toi. Je savais que tu allais voler dans les descentes. Et mon espoir c'était que tu tiennes pas sur la longueur. Ouais. Mais je te sentais plus endurante. Et je sentais que dans les descentes, de toute façon, je pouvais aller bien plus vite. Le problème c'était les crampes. J'ai dit est-ce que tu vas tenir jusqu'au bout avec les crampes? C'est super. Alors, je t'ai pas laissé gagner. Je me suis battue jusqu'au bout. Oui, ça se fait. C'est pas la peine de te mettre à côté, tu seras pas dans le cadre, Pierre. Attends, voilà. C'est parti, clip clap. T'es encouragée. Alors. Ah oui, j'étais encouragée, surtout par Pierre. Puis de très loin. Comment t'es vraiment très bien. Difficile, hein, les montées. En course, ça doit être d'autant plus difficile, mais même en marche, c'est costaud. Hein. Et l'ambiance? Ah, l'ambiance très sympa. Les gens qui applaudissent, qui font là haut là quand on passe, non, vraiment très très bien. Voilà. C'est super court, je me suis jamais aussi sentie aussi bien que sur cette. Ouais. À part que j'avais pas les chaussures adéquates et la grande descente, c'était un peu dur. Autrement, c'était sympa. Vraiment très très chouette. Super. La prochaine fois, je mettrai, j'achèterai les chaussures de trail. Hein. La Riot, Adidas. Ouais, tout à fait. Laurent. Quoi? Comment quoi ça s'est passé? Super bien. J'ai adoré. T'as adoré? J'ai super bien couru. Je suis content. Thierry, t'es content de toi? Thierry, t'aurais pu faire le 19 quand même. Oui, largement. Ouais, l'année prochaine. Largement. Mais je me suis super éclaté sur le 13 ou 14, je sais ouais plus. Largement, ouais. Mais il a les moyens, mais il a joué petit joueur là. Ouais, bon, petit joueur, mais je me suis. Anouche. C'est vachement amusé. Bon, je veux que j'interviewe tout le monde. Alors, comment ça c'est s'est passé? Très sympa, très sympa. Ça t'a plu? Le troisième dernier qui nous plaît, j'ai trouvé long. Non, non, très joli. Hervé? Je sais que je suis très joli. Ouais, super. Super. Allez, Pierre, allez. Ah, quand même, oui, parce que je voulais pas. Allez, parce qu'on t'a tellement emmerdé pour que tu viennes. Ouais, ça c'est vrai. Alors, non, mais la course était super géniale. Alors, je sais pas. Combien t'as mis? 3h05, mais je me suis arrêté à tout le monde. Tu t'es doublé? Oui, parce que dès le départ, je t'ai laissé partir parce que j'ai fait les photos, la preuve. Et je ne pouvais pas t'avoir passé. Si, je t'ai laissé passer pour pas t'embêter, et ni embêter Marilyn. Et je me suis arrêté à chaque marcheur avec Pablo. On s'est arrêté, on a fait les photos de tout le monde. Donc, j'ai fait un rallye photo et j'ai mis 3h05. Et Pablo aussi, on était ensemble. T'es content, Pablo? Oui, je suis content, mais je suis très
crevé là. J'étais fatigué. On va se doucher. J'ai pioché, je me suis battu les 30 derniers kilomètres. J'ai dit, je lâche rien, je cours, je serre les dents. Je ne m'écoute pas. Le résultat, j'ai mal partout, mais c'était très beau.